bien, salut tout le monde, c'est Mister V-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Days Gone et nous en sommes bien sûr à l'épisode 12. Comme d'habitude, prévoyez un casque, des écouteurs, mettez la qualité au maximum. Un petit truc à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Mais l'important c'est que vous preniez un maximum de plaisir évidemment. Il n'y a rien de mieux que le plaisir. Allez, nous y revoici. Nous sommes donc au QG, on va tout fouiller. Ah, il m'avait créé des trucs très sympas aussi. Ah, ça serait pas mal, on va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, je prends évidemment la ferraille, c'est de la balle. Ensuite, on va... Oh, une bouteille, ça. Je prends le chiffon, on est au max. Néanmoins, attendez, si on peut... Hein, bon tuyau. Ça a l'air très très sale, ça. Hop, voilà, des petits cocktails Molotov, des familles. Ça fait toujours plaisir. Et on a une grenade, on est très bien. On est très très bien. Ok, direction Boozer. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Vas-y Boozer, fais-moi rêver. Oh, attendez. Attendez, c'est ça qui m'a ramené, frérot? Ah, il y a moyen, hein. Deux trousses de soins, trois chiffons, trois ferrailles. Il y a fort moyen, hein. C'est parti. Hey, tu répondais pas à la radio? Ouais. Pas acheté. Oh là, oh là, doucement. Je vais bien, je vais bien. Je voulais m'éclaircir les idées, tu vois. T'as de la fièvre. Putain, paye ta migraine. T'as de la fièvre. Non, 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 je suis fatigué. Ok, tu restes ici, tranquille. Moi, je vais réfléchir. Hey, j'ai pas besoin d'une nounou, putain, je vais bien. Merde. Allez, réfléchis, mais réfléchis. Voilà pourquoi on a besoin de lavande. Pour les maux de tête, pour être très honnête avec vous, je vais aller me renseigner dessus parce que moi je suis quelqu'un de migraineux. Hein. J'ai souvent des maux de tête, malheureusement, c'est comme ça. Ça vient de mon arrière-grand-mère qui est née sur un ancien cimetière indien. Mais voilà, c'est vrai que la lavande, si ça peut aider sur les maux de tête, ça peut être très intéressant. J'irai voir sur internet. Viens par ici, je vais te montrer ce que tu cherches. Ouais, trouvé. Oh. Allez, concentre-toi un T'inquiète, peu. T'inquiète, je suis concentré. Ok. Alors, celle-ci s'appelle Lavandula angustifolia. Lavande quoi? Ouais, mais vu que j'ai pas fini de rembourser mon prêt étudiant, personnellement, je préfère le latin, vois-tu? Moins t'en as pour ton argent, fais-toi plaisir. Ok, allez, donne-moi tes mains. Voilà, tu en poses une autour de la fleur. D'accord. Ensuite, tu places l'autre le long de la tige. Ok. Voilà, comme ça. Ensuite, faut tirer tout doucement. Ça va, j'ai déjà arraché du chien d'or. Eh ben, c'est pas du chien dent. Tu dois faire preuve de délicatesse. Mais appliquer une pression. Oui, mais sans forcer. T'es prêt? Go. Et voilà le travail. Nickel. Ouais. Dis donc, elle sent pas vraiment la rose. Ok, garde celle-là. Moi, je vais aller en cueillir d'autres. Ok. On joue dans le passé, c'est plutôt cool en vrai. Aider Sarah à cueillir de la lavande, très bien. Il pense avoir très trouvé intéressant. Une sous-espèce de monocarpénoïde mutant. J'espère vraiment qu'il y aura des scènes cool pouvant... dans le passé, ça peut être vraiment sympa. C'est... Merci Einstein, merci vraiment. Désolée. Elle contient une molécule qu'on peut utiliser pour synthétiser un médicament pour les grands brûlés. Vas-y, hein. Marche devant. D'où vient la seule herbe qui sert à soigner, on la fume. Tu sais, Boozer connaît un type qui a une ferme à genre 5 km d'ici. Oh, mais c'est super. La vache! Boozer va finir en prison et il te fera tomber avec lui. Et sinon, qu'est-ce que vous faites d'autre? Des armes chimiques, des armes de destruction massive? Non, 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 non. Bon, ok, d'accord. Enfin, pas je moi. Retire ce que j'ai dit, on joue pas vraiment dans le c'est passé. C'est dans mon contrat. Obligé d'aller tout droit, vous vous en doutez. Je pense pas que leur piste soit autorisée. Et la carte n'est pas disponible. C'est pas vraiment du gameplay. Ils font croire que c'est du gameplay, mais c'est pas vraiment du gameplay. C'est dommage! J'aurais bien kiffé qu'il y ait vraiment une carte dans le passé et une carte dans le présent. Hé, hey, regarde-moi ça. Attends, oh, arrête. Allez, l'eau doit être trop bonne. Non, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça, tu peux continuer. Allez, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue histoire. Ah, il sait pas nager. Bon, ça fait rien. Ah, ça arrive. On peut marcher aussi. J'aime bien marcher. Ça arrive, il sait pas nager, très bien. On juge pas. Et on juge si personne. Tu m'en disais un peu plus sur tes plantes. Sérieux? Ok. Eh bien, on dit que ce genre-là est non endémique.
Tu le fais exprès, hein? Ça veut dire qu'elle n'est pas native de la région. Tu peux remercier Ogden. Qui ça? Eh merde, j'ai posé une question. Peter Skeen Ogden, le premier explorateur à avoir traversé cette partie de l'Oregon. Lui et d'autres explorateurs ont apporté toutes leurs plantes médicinales avec eux. Certaines se sont propagées dans la région. La plupart poussent sur les rives des petits lacs et des étangs. Le premier explorateur blanc. Waouh! Tu te mets au politiquement correct? Faut pas croire les clichés sur les bikers. En vrai, on est très très fréquentables. J'en doute pas. On a deux frères de couleur au MC. L'un d'eux est membre à part entière. Je crois pas avoir vu une seule personne de couleur depuis que je suis arrivée dans ce petit coin de paradis. Ouais, il se trouve que Jack a fait venir des gars de Sacramento exprès pour faire chier des rivaux skinheads. Non, tu me fais marcher. Ouais, je rigole. Oh, Jersey Jim est un vieux pote, c'est moi qui l'ai fait entrer au MC. On a servi dans la même unité. Faudrait que tu passes au club 1 de ces 4, je te ferai visiter. Tu le trouveras sympa, il est super marrant et il fait une margarita du tonnerre. Je commence tôt lundi au labo, donc... On sera dans ton lit pour 22 heures, c'est promis. Une proposition pareille, ça se refuse pas. Allez, à toi. Okay. Essaie d'en cueillir une. C'est parti. De la lavande. Tu veux que je cueille de la lavande? Hop, oui. Voilà, ça et c'est fait. Bon, c'est bon, j'ai mes trois lavandes, aucun problème. Oh, je vais les écraser. Type maison, tiens, je me demande si on peut aller les choper, ça pourrait être sympa. En voilà un. Voilà, deux. Bien joué. Celui-là. Ça dégage. Ouais, continue. Ouais, bah ça va, je suis pas un débile non plus, putain, les gars, oh. Amène-les-moi. Oh. C'est pour toi. Waouh, on dirait que la galanterie n'a pas disparu à Ferwell. Ah, mais si c'est le cas, je plaide non coupable. Hey, oh, pauvre chérie. Hé, hey, c'est celle qu'on va fumer tout à l'heure? Non, mais c'est celle qu'on va boire. Je sais faire une tisane du tonnerre avec ça. Sans déconner. Hé, hey, ok, si tu viens chez moi, je t'en ferai une, du moment que tu me déposes à la maison. Ok, super. Je vais te convertir, tu vas voir. Fais-moi penser à m'arrêter pour acheter de la bière en chemin. Bon, bah on sait quoi faire, aller chercher de la lavande pour faire une petite infusion pour le frérot Boozer. C'est parti, on va y aller. Je me souviens, ça permet d'avancer aussi cette quête et de se rapprocher de la suite, et ça c'est plutôt cool. Allez, j'ai déjà arraché du chien dent, donc ça se dit bien chien dent. Très bien, c'est fait, je me souviens, ça monte ou pas? Je dois gérer les conséquences de mon passé. Très bien, encore un ou deux jours. Trouver de la lavande. Bah écoutez, on va aller chercher de la lavande. Je sais pas vraiment où en trouver, mais vous inquiétez pas, la carte va me l'indiquer. Oh là là, ça s'est rechargé dans la nuit, dis donc. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas passé bien loin. Hop, vas-y, régalez-moi. Alors, il est temps de faire le plein dans la moto, évidemment. Un bidon d'essence. Voilà, merci de le préciser. Ensuite, on va directement aller chercher du chien dent, c'est-à-dire de la lavande. Je crois qu'il l'appelle comme ça. Bien ah, je me renseigne là-dessus. Vas-y, régale-toi mon frérot, et puis on va aller à la quête. Je sais pas vraiment où aller. On va voir ça tout de suite, voilà. Je sais que j'ai des points de compétence, hein. Vous affolez pas, mais pour l'instant... Oh, c'est à côté. Oh, c'est à côté, tranquille. Allez, go. En plus, en plein jour, incroyable. Oh, je vais lui faire une tisane encore un ou deux jours. Ça veut dire qu'à mon avis, on va pas tarder à décoller. Désolé, je suis un peu dans les vapes. Tu m'as parlé. C'est un truc que Sarah m'a appris un été avant... Bref, il y a une plante qui pousse dans le coin, la lavande. Elle pousse à l'ombre, le long des rivières et sur les rives des lacs. Essayez d'en trouver. Putain, avec la tête de mon bras, je suis prêt à tout foutre. Cascade ! Je suis mort. C'était une cascade beaucoup trop risquée. Putain, je le savais. Ouais, je fais partie du métier, j'aurais dû tout de suite le voir et le discerner, tu vois. Mais je sais pas, je me suis senti, puis... Ah, c'est le joint de culasse qui a pas tenu, et voilà, bon, j'ai pris ma part, c'est comme ça. Oh, quel dommage. On est reparti, c'est pas bien grave. Je vais refaire exactement la même. Et cette fois-ci, je crois que ça va passer, parce que j'ai foi en moi, j'ai foi en mon âme de cascadeur. Alors évidemment, je vous le dirai jamais assez, mais ne reproduisez jamais cela chez vous, d'accord? Ou soyez accompagné d'un professionnel. Vous l'avez vu, il y a d'énormes risques, c'est les risques du métier. Il suffit pas de crier cascade pour faire une belle cascade, d'accord? Il y a une exécution derrière. Donc voilà, faites attention à vous. Désolé, je suis un peu dans les vapes. Tu m'as parlé. C'est un truc que Sarah m'a appris un été avant. Ok. Enfin, bref, il y a une plante qui pousse dans le coin, la lavande. Elle pousse à l'ombre, le long des rivières et sur les rives des lacs. Essayez d'en trouver. Putain, vu l'état de mon bras, je suis prêt à tout frangin. Mais
Fais gaffe, t'as la vente, je veux de quoi fumer. Cause toujours. Je vais trouver des plantes et en faire un baume pour les brûlures. Comme ça, t'arrêteras. Ouais, ok. Désolé, frangin, c'est juste que... je deviens dingue à force d'être enfermé ici. T'inquiète, Guzman. On partira vers le nord, c'est promis. Pour pas longtemps, tu m'entends? Oh là là, va falloir faire gaffe. Terminé. C'était déjà assez dangereux comme ça la dernière fois. Il se passait quelque chose, il y avait une sorte de horde ici. Hey Dick, ça roule. Ah, stratégie des hordes. Le plus souvent, la meilleure stratégie face à une horde est de récupérer de bonnes armes et de cumuler des ressources. Surtout quand on n'y est pas préparé. Contourner les zones occupées et prévoyez un plan de repli avant de passer à l'attaque. Je m'emmerdais. Je me suis dit qu'il fallait voir si je savais encore faire des choses. Passe quand tu peux, je pense que ça te plaira. Frérot, je suis pas Osman, prêt. Merci, vieux. Je passerai. Ah non, je suis pas prêt, moi. Ah, quel... Il y a une horde ici, ça veut dire, là, les gars? Je vais courir mes longs morts, hein. Préparez-vous. Je peux crier. Comment je fais pour entrer là-dedans? C'est verrouillé. Ah, rétablissez le courant. Pas de courant, bien sûr. Très, très bien. J'ai déjà peur. Un accès au toit. Oh. Ah ouais, il y a véritablement une horde là-dedans, putain. Ok. Je vois pas comment faire. Oh, ça va être chaud. J'ai peur. Ok, on va mettre cette petite voiture au fond, si je puis me permettre cette expression. Première horde dont on a affaire. Hop, ça en coupe. Faut faire gaffe à tous les haut-parleurs, hein, parce qu'une fois le courant rétabli... Ok. J'ai peur. Faites cascade! Ok. Ok. Oh, j'ai peur. Allez! Aïe! 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 Oh, j'ai peur! Arrêtez! Aïe! Oh, c'est pas grave. Oh, oh. Adieu les gars. Les gars, je vous aimais. Que dire? Ah oh ouais, frérot. Ça va les gars? Ouais, je sais, la vie est difficile. Mais l'un n'empêche pas le rhume. Ouais, adieu les gars. Je suis pas prêt. Je suis clairement pas. Je suis clairement pas prêt pour ça. Allez, je vais commencer à prendre des petites calottes de mes morts. Regardez bien ce qui va se passer. Hein. Tout est très rapide ici. Hein. Hop, je ferme là. Aïe! Aïe! Oh! Oh non, je suis pas prêt. Hein. Je suis pas préparé à ça. Ok. Ouais, non, 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 je suis pas prêt à ça. Non, non, je suis pas prêt. Je suis. Achevez-moi. Ok. Bon. J'ai qu'une chose à dire. Ouais. Que Dieu nous protège, peut-être, c'est pas mal. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Une fois l'alerte lancée, c'est terminé. Hein. Trouver de la lavande. Hein. Ok. Ah putain, il y a un tonneau explosif. Deux tonneaux explosifs. Ok. Et il y a vraiment. C'est intéressant à faire ça. Hein. C'est le Nero quand même. Ok. Très très bien. Voilà ce qu'on va faire. On va faire un peu de carreaux à résidus, ça me paraît pas mal du tout. Ok. Là il y a un haut-parleur en plus.
totalement un haut-parleur, je crois, ici, non? Yes. Attends, on va récupérer ceci. J'ai besoin de ferraille. Ah ouais, non, une fois alerté, c'est mort. C'est dead dans Red Dead. Ok. Y a pas de haut-parleur. C'était putain de... Putain de feinte. Très bien. Là, on a un truc explosif. J'analyse le terrain et puis on va improviser. Là, on a un accès au toit. Comment on peut faire, J'ai pas d'armes silencieuses en plus. Malheureusement, dans ce 9mm, on peut pas mettre de silencieux. Ça, c'est peut-être une des erreurs principales que j'ai pu faire. Il y a deux haut-parleurs. Va vraiment falloir qu'on fasse ici. Hein. Va vraiment falloir qu'on fasse. Très bien. Bon, c'est pas grave, on va prendre de la lavande. On reviendra ici plus tard. Ah, ils sont tous là-dedans en plus. Hein. Ah, c'est tentant, hein. Là, on a des haut-parleurs. Ok, on reviendra plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ok, bougez pas. Là, on va prendre des carreaux classiques. Aïe. Ah, ça va être compliqué cette histoire encore. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous pensez qu'on peut avoir un truc d'eau là-haut en vrai? Ok. On sait jamais, peut-être un sniper, qui sait? Ah, il commence à fermer. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ok, un petit peu de ferraille. Oh la vache. Un putain de cadavre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok. Attends, je t'ai un bandage, donc j'y suis. Et on a un bandage. Très bien. Bandage que je ne peux pas prendre. Bon! Ok. Bah écoutez, j'ai ce qu'il faut. En vrai, je peux partir. Mais faut que je revienne, hein. Vraiment que je revienne ici, hein. Ok, y a quelqu'un à gauche. Va falloir que je revienne ici. Ça me paraît être un indispensable. Il y a quand même un centre du numéro. Il y a une horde, mais au moins on sait d'où elle vient. Oh. Toujours utile. Bien sûr que c'est toujours utile. Et là, il commence à faire nuit. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, on va pas faire les malins. Par contre, je peux peut-être activer la horde et partir. Et ça serait beau. Ok. Ok, on verra plus tard. Est-ce que la voiture a été avancée totalement? On se tire en moto calmement. Deux tonneaux explosifs. Très intéressant. Allez, go. C'est pas grave, écoutez. C'est pas grave. J'ai des regrets, mais on reviendra. On va vraiment essayer de le faire dans cet épisode. Hop, mais avant cela, on va quand même apporter au frérot sa lavande, il aille un peu mieux. Et qui sait, peut-être qu'il va venir nous aider, même si je doute fortement. Oh là là, il pleut, il fait nuit, mais c'est terrible. Terrible cette température. Ok, par contre, c'est, ouais, c'est magnifique. Regardez l'effet de brume au sol. L'effet de lumière est incroyable. Incroyable, vraiment. Hein. Ouais, j'ai failli prendre une gifle. Ok. Ok, on est bon. Yo les gars. Ouais. Voilà, on est slalom. Aucun souci. Très très bien. Et cette fois-ci, on va carrément mettre la moto dans le camp. Faire un petit 360. Voilà, ça, les gars, ça je vous le dis, c'est quelqu'un qui gère son véhicule. Okay. Est-ce que t'as fait tomber? Regardez, un petit peu d'essence. Ah, on prend soin de sa bécane, les gars. Hein. J'ai vraiment envie de le faire dans cet épisode. C'est bon. J'ai sincèrement envie de le faire dans cet épisode. Quitte à ce que ça dure 45 minutes, on va étudier le terrain. Et je pense qu'on va faire une dinguerie, je vous le dis. Allez, c'est parti, on retourne voir Boozer en attendant. Il y a quelque chose d'intéressant à nous dire, le frérot. Ah, hop, on a, je sais pas, passer une porte, ça fait plaisir. Hey, Boozer. Bordel de merde. C'est drôle, je repensais à la fois où
Il y a plusieurs étés de ça, Sarah m'a emmené à Bear Creek. Pendant qu'on cueillait de la lavande, elle m'a appris à... Elle m'a appris à faire un baume pour les brûlures et... Écoute, je suis sorti aujourd'hui. D'accord ? J'ai inspecté la montagne, relevé quelques pièges, mon bras est presque rétabli. Très bien. Ok, je vais le laisser ici et... Hey, hey. Laisse-moi encore un ou deux jours. D'accord ? Puis on file au nord, comme t'as dit, loin de cette merde. Ouais. C'est ça. Eh ben, c'était du rapide. Ok, encore un ou deux jours. 87%, c'est mon frère. 47%. Ça m'a pas pris trop de temps. Il avait dit qu'il m'avait laissé un petit cadeau. Et là, il fait jour. Je pense que ça vaut le coup. Oh putain. Il a rien stocké. Ça vaut peut-être même le coup de prendre un silencieux, non ? C'est celui-ci. Ok, c'est pas grave. On va essayer autre chose. Il fait toujours mauvais, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Vous savez quoi ? On va essayer. On va essayer directement là où on est mort. Je pense qu'il y a moyen déjà de se régaler, d'augmenter Pete, sa vie. T'es là ? Ouais ? Ouais, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? On a été violemment attaqués. Des Reapers. Une vingtaine, peut-être plus. Enfoiré de Reapers. La petite dont tu te souciais tant. Lisa ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Lisa ? Disparue. Il l'a enlevée avec trois autres. Alka, il les a suivis aussi loin qu'il pouvait, mais ils sont terrés au cratère Venna. Il est revenu pour rassembler quelques hommes. Bordel, ok, écoute, j'ai vu ce que ces fils de pute font à leurs otages. Pas question d'attendre. Ok, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Nouvelle mission débloquée. On va pas y aller. J'ai une revanche à prendre. Oh la vache. Scénario fin du monde. Oh. On y va, j'ai qu'une parole. Je dois le faire. Je dois le faire, première horde, je dois l'affronter, je dois la démolir. On est prêt. Oh, cette cascade, les amis! Ah, j'ai pas crié parce qu'il y a mon côté professionnel qui revient à la surface. Mais tout de même! Plutôt impressionnant. Arrête de crier, putain. Pourtant, à 4 km là. Ok, on y est presque. Allez, nous y revoici. Voici. C'est parti. Attendez, hop. Bon. Ok, la moto est bien posée. Les bouteilles sont prêtes. Attends. Hop. Les molotovs sont prêts, mon AK est chargé. Fait pour... Ouais, j'ai eu peur, je me suis caché, hein. Je suis désolé. Comment on va pouvoir ressortir ce bordel ? Par là, peut-être ? Ah ouais ! Ok ! On cut. Ah, le générateur est là. Ok. C'est parti. Let's go! Allez! Ah ouais, y'a beaucoup de monde, hein. Attrape! Ok, j'ai fait une stratégie. Ok, ça s'est fait. Ça c'est fait. Voilà, mettez-moi des claques. Ok. Ça c'est fait. Allez. Ok, go, on court.
ça c'est fait. Aïe. C'est pas fini mon pote. Crois-moi, j'en ai encore pour toi mon frère. Ça c'est fait. Toi, ça dégage, toi. Ça dégage, je suis au couteau mon pote hein. Plus de pitié, et toi, je vais te transformer, tu vas me rejoindre. Hop, ça a pas marché hein. Je sais pas pourquoi. Putain, c'est pas vrai, mais t'es... Ouais, j'ai voulu être sympa. Allez, ferme-la. C'est bon. Horde du train de la mort, 100% et de une. Bon. T'en as besoin. Incroyable. Incroyable, on a réussi à le faire. On va pouvoir tout fouiller. Insane, on a été monstrueux. Je tiens à tous vous féliciter. Toujours avoir confiance en soi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 14 oreilles, mon pote. Ça s'arrête plus. Là, on a des trucs. Oh putain, ça explose aussi. Incroyable. On va les fouiller là-haut aussi. On a réussi. Putain, je suis heureux. Je suis heureux. Hein, ça fait. Hop, voilà. On va aller tout prendre. On a réussi. On a beaucoup de balles encore en plus. Regardez. Oh là là. Il y a de l'oreille, hein. Il y a totalement de l'oreille par ici. Voilà. Allez, ça dégage, hein. Ensuite, regardez. On va se refaire un petit cocktail. Bon. Alors, bidon d'essence. Je crois que j'en avais vu un là-haut. Aucun souci. On va monter, faudra que j'aille dans le train. Bah, attendez, vous savez quoi, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite parce que là, croyez-moi, il y en a pour du pognon, hein. Et on va en profiter pour... C'est bon vieux train. Ah. C'était une bonne idée, ça, de creuser des fosses communes pour y balancer tous ces cadavres. Impeccable. Et là, il y a eu des morts ou pas? Je ne crois pas. Non. Très bien, on peut y aller. Là, on avait des choses derrière intéressantes. Oh, je suis content, putain. Premier épisode, on se débarrasse du noir. Mais quel plaisir. Ça peut toujours servir. Du bonheur, les amis. Du bonheur, j'espère que ça vous fait plaisir. Bombardez la barre de like un petit peu, là. Montrez que vous êtes là. Parce que franchement, c'est cool. Ok. C'est bon. On va pouvoir réactiver le Nero. Je vais aussi devoir désactiver... parce que je l'ai vu, vous inquiétez pas. Un haut-parleur. Est-ce qu'on a un haut-parleur par ici? Je ne crois pas. Je crois pas, je suis pas sûr. Allez, c'est parti. Ah non, je suis heureux. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Comme disait Timon et Pumba. Non. Allez. Ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se mettre. De la vie, non, je sais plus. Je sais plus ce qu'on a déjà amélioré. C'est bon, j'ai encore mon essence, j'ai eu peur. Petit frisson. Impeccable. Hop, cascade. Voilà. Allez. Et voilà. Aucun problème. Ça y est. Allez, go. Sûrement un haut-parleur, hein, qui doit traîner à gauche, à droite. On a le faire, c'est bon site. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Ouais, putain. Bon. C'est pas grave. Ouais, un injecteur du Nero. Alors. Est-ce qu'il marche encore? Bien sûr que ça marche encore. Concentration? Je sais plus. Je sais plus du tout. Concentration, je crois. Concentration, on en a trouvé deux, me semble-t-il. C'est fait checkpoint Nero. Oh là là, ton Copland, c'est validé. Oh, restez vigilant. Ok, ça me prend. Vous voulez juste lui indiquer, mais pas de soucis. Vraiment que j'ai plus ce putain de par là. Je sais pas trop toi. Non, on a pas spécialement besoin d'y aller, donc on peut se tirer. Direction la moto et on continue. Ça va toi? Hop. Bah alors tu cours où comme ça mon pote? Tu cours liker ma dernière vidéo j'espère. Ah j'ai du mal à te croire, c'est bizarre. T'as manque de pistolet par contre, il va falloir vraiment que je trouve une arme plus intéressante. Très bien.
Il est temps d'ouvrir la carte. On a une nouvelle TP de possible. On me demande d'aller... Oh putain. Ah, c'est là où il y avait les rituels. Ah, catastrophe, catastrophe. On va aller où? On peut aller par ici. Voyage rapide. On a réussi à affronter une horde, ça fait plaisir. Bon, c'était une petite horde, on est bien d'accord. Hein. On est encore sûrement au début du jeu. Mais tout de même, c'est une horde quand même. Ils étaient très nombreux, donc c'est plutôt cool. On va se diriger près de la mission. On va se regarder très calmement. Donc j'aimerais que tout le monde garde son calme, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en vrai, on peut même save ici. Je pense que ça me paraît être... Ouais, ça me paraît cool. Ça me paraît être un bon plan, je sais pas ce que vous en pensez. Quoi qu'il arrive, on a fait une horde. Bon, on est mort, malheureusement, mais tout de même... Hop, bonne chose de faite. Ah, j'ai envie de continuer quand même. Ouais, je vous cache pas. Allez, on y va. On y va. Notez ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Hop, ça c'est fait. Très bien. Il va falloir que je trouve... J'ai des carreaux spéciaux, mais il va falloir que je trouve... On y va, on va la faire. On va la faire, je suis là pour kiffer un maximum en fait. Et là, je kiffe plutôt bien, donc... go. Ah, t'en avais bien besoin. N'ayons pas peur. Voilà, disons pas des bonnes choses, on profite du moindre gramme d'essence. Cette denrée rare, évidemment. Et on peut y aller. On va couper à travers champ. Pas un souci, de toute façon, il n'y a pas d'économie d'essence à ce niveau de jeu-là. C'est pas bon. Putain, c'est à gauche, j'aurais pu couper. Pas grave. Hop, on passe par là. Je sais pas si sur le sable, ça glisse un petit peu plus. Il y a moyen, en vrai. Il y avait une pointe, c'est dommage. Hop, petit raccourci des familles, je connais bien. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Regardez la distance, comment elle rétrécit. Cascade. Voilà, non, c'était une mini cascade. Oh putain. Ça me semblait. Attends. T'enflamme pas trop non plus. Encore un con de maraudeur. Ouais, je sais ce que vous mijotez, mon enfoiré. Oui. Hop. Je fais que passer. Ah. Bien joué. Putain. Arrête, je rigole. Oh. Il va m'arracher. Hein. Il va me découper, le gars. J'ai pas le temps, les gars. J'ai une mission. Putain, j'ai une petite à sauver. Ok, on va passer par ici. Impeccable, on y est. Très bien. C'est parti. Ah non, c'est pas du tout ici. Ok, j'ai cru. Je croyais que c'était là où il y avait. Si, c'est là. Mais si, c'est totalement là où il y a les rituels. Allez, on y va. On va sauver la gamine. On va sauver Lisa. Ah, par contre, faut y aller de nuit. Et ça, c'est pas rassurant. Putain, ma mère, où est la fille? Si vous avez touché un seul de ses cheveux, aurait pu de merde. Je vais tous vous buter, que vous l'ayez touché ou non. Tiens bon, Lisa, j'arrive. Ok. Ça fait peur. Ma petite Lisa, j'arrive. C'est quoi? C'est Alisa? C'est pas un Reaper, en tout cas. Très... Ah. Les empreintes. Taille d'ado. C'était sûrement Lisa. Ok. Elle était traînée par ici. Si vous avez touché... Ah, un seul. Personne. De ses attends, cheveux. Respire. Tant d'enfoirés, et je vous bute jusqu'au dernier. Ok, il est à moitié cinglé, ça fait plaisir. Nous avons été trouvés. Nous avons été trouvés. Les âmes libérées nous montrent la voie. Ok. Ouais. Pourquoi tu vas pas trouver la voie, plutôt? Ok, bon, on va tous les baiser, c'est pas grave. Ils sont morts, enfoirés. Ils rejoindront pas ta putain de secte. T'es mort? Ok, il a l'air d'être mort, lui. Deux morts, double headshot, ça fait plaisir. Malheureusement, par ici, le premier coup. Hop, on fouille ça. Ça fera l'affaire. Ça, oh oui, ça va faire l'affaire, ça, mon pote. Fouille aussi. Très très bien. Ah, il y a une grotte. Ah, je voyais pas ça comme ça au début, hein. Là. Il entraînait là-dedans. Ok. Ça mène à quoi, ça? Une cascade. Là, on adore.
Vous savez que je suis friand de cascade ici. Ah, oh, ça sent pas bon ça, hein. Ça sent pas bon ça. Mais qu'est-ce qui cloche et c'est taré. C'est les âmes libérées. On fait la danse, hein. Sauf si elles sont toutes mortes. Ok. Bon bah tout le monde est mort, hein, très clairement. On fouille tout. Ouais, j'y vais à l'arrache, hein, je dégomme tout, hein, j'ai rien à branler. Non, elle est pas là. Où t'es, Elisa? Elle est forcément quelque part par là. Toute ma famille et mes amis étaient libérés. Personne. Ok. Vous rejoindra. Hé, hey, souris, t'as été trouvé, pas vrai? Putain. Je suis touché. Ok. Ça c'est mort, il m'a fait peur. Ok. Bon, plus beaucoup de balles. Je fais le plein. Plus beaucoup de balles. Tiens bon, Lisa. Quoi qu'il te fasse. Voilà. Hop. Essaie de tenir bon. On va y aller tranquillement au pistolet. Ouais, attends, parce que là, c'est compliqué. Je suis déjà cramé. Monsieur à la tête dure. Ah, lui, par contre, pas la même chose. Ok. Elle doit être par là. C'est loin d'ouf. Ah ouais, viens. Maintenant. Ok. Je profite du hasard pour espérer mettre des têtes. Jusqu'ici, ça a marché plutôt bien. Très bien. Putain, je pensais pas le truc aussi profond, hein. Si je peux me permettre cette expression. Ok, je crois qu'on y est. Là-haut, ils l'ont fait monter de ce côté. Très bien, on va sortir la calache. Oh, ça sent pas bon. Lisa doit être là-haut. Ok. Très très bien. J'ai du monde. Bah là, on marque pas. Hein. Si on peut le faire, on peut le faire. Là. Il y avait un autre gars juste ici. J'arrive, petite. C'est bizarre, pourquoi il court? Pourquoi il bouge comme ça? Pourquoi il bouge? Je sais pas pourquoi il bougeait comme ça, celui-ci. Ok, tue les Reapers. Très très bien. Oh, 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 oh. Ah! Ah! Non! Non! Mais non! Mais pourquoi tu sors la jumelle? Mais casse-toi! Mais! C'est quoi ce bug? C'est bugué! Arrête! Please, putain, respectez-moi! Pourquoi t'es dans ta jumelle, mec? Je sais que... Oh là là, putain, j'utilise bien la flèche de gauche pourtant, hein. Pour se soigner, hein. Et il sort la jumelle, c'est pas pourquoi ça m'arrive souvent. Je vous le dis, en plus. Là-haut. Bon, allez, là, c'est bon, je suis énervé. Ils l'ont fait monter de ce côté. Là, les gars. Lisa doit être là-haut. Hop, toi, tu vas voir, hein, frérot. Allez. Non, mais sérieux, ça, c'est vraiment casse-couille. Ah, je suis désolé, là, mais... Vas-y, hein, vise-moi bien, gros. Ici.
Ok. Allez, allez, allez! Vous êtes bien ennuyés! Les gars, je vais vous distribuer des trucs, je crois que vous êtes pas prêts. Je t'avais dit. Avec lui aussi. Ok. Wouh! Oh, j'ai joué avec lui, hein. Frérot, hein. Regarde, hein. Allez, ça dégage, hein. La racaille, mon pote. J'ai besoin de toi. Mort. Allez, ça dégage. Lisa. Hé, Lisa. Oh bordel, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Lisa? Lisa. Hé, hey. Ma puce. Tais-toi, tais-toi! Lisa, c'est moi, Deacon. Tu te souviens? Deacon. Ok, ça va. Tout va bien, tout va bien. Allez, viens. Ça va? Merde, tu peux courir. Tu sais où se trouve le centre pour visiteurs? Super, c'est là que j'ai ma moto. Je veux que tu cours là-bas, le plus vite possible. T'arrêtes surtout pas. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas quoi qu'il arrive. T'es prête? Ok, c'est à moi, bébé. On t'a dit de pas t'arrêter, hein. Faut courir, ma soeur. Hop, ça va prendre pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Fusil à canon scié, non? On a un petit sniper là-haut. Ok. Voilà, ça je prends. Des médocs. Hop, des munitions. On est très très bien. Bon bah écoutez, on y va. On va la rejoindre au camp. Oh 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 oh. On sait jamais sur un malentendu. Il peut régaler. Attends, en vrai par contre je peux faire ça. Je t'apprends ça. Et il y a juste personne en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Voilà. Il y a juste personne. On se casse. Normalement ça devrait le faire. Ah non, personne. Ah si, il y a du monde. Lisa, baisse-toi, casse-toi. Qu'est-ce que... Ouais, choc. Ouvrez-lui les yeux. Ok. Lisa, cours. Pas évident de tirer, Je me soignais en même temps, hein, c'est pour ça. J'ai pas bugué, vous inquiétez pas. À un moment, je me suis calmé. Juste que j'étais en train de me concentrer sur la visée et surtout de me soigner. Allez, vas-y, on bombarde, ma grande. C'est par ici maintenant. Yes, yes, c'est aucune balle qui touche, hein. Voilà. Allez, fonce. Hop, on oublie, hein. Plus jamais on tire. Ah ouais, putain, ça m'a coûté une blinde cette connerie. Enfoiré. Ça m'a coûté une putain de blinde. On va y aller au pistolet. Attends, c'est par où là? Je suis comme le riche, je suis cuit ou. Non, c'est... Ok. Bon sang pour visiteur, allez. Headshot.
Hop. Ça c'est fait. Allez, on se casse. Ah, des fois le pistolet ça fait du bien. Allez. On y est. Viens ma grande. On est en sécurité maintenant. Est-ce que ça va? Non. Écoute-moi. Ah, j'ai mon plan, hein, en bas à droite, qui veut pas disparaître. Au sud d'ici. Ça a rien à voir avec Hot Spring. Iron Mike est pas du tout comme Madame Tucker. Je hais Madame Tucker. Tu seras pas toute seule là-bas. C'est un chouette camp. Et c'est un lieu sûr. D'accord. Accroche-toi. Ok. Elle va faire tous les camps de la ville, c'est terrible. Emmener Lisa. Est-ce que je peux l'emmener en voyage rapide? Non. Non plus. Bon bah écoutez, on y va. Ricky! Ricky, réponds! Ricky, t'es toujours sur ce canal? Quand Lost Lake, répondez! Deacon? Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu veux? Oh, fais pas chier, viens me voir, ok? Rendez-vous au croisement de l'autoroute des Cascades et de la route d'Old Belknap. J'y vais tout de suite. Tu sais ce qu'Iron Mike a dit la nuit où Boozer et toi vous êtes partis? Ah ouais, ça. Écoute, c'est pour ça que c'est toi que j'appelle, et pas Schizo. Iron Mike a pas besoin d'être au courant. J'ai une gamine avec moi. Quoi? Enfin, pas une gamine, une survivante. Elle a survécu longtemps dans ce merdier. T'as une survivante? Et tu l'emmènes à Lost Lake? Non, c'est toi qui vas l'emmener à Lost Lake. Je vais te la confier. Ricky, t'es là? Ouais, d'accord. Je me mets en route. Terminé. Ricky? Ouais, de rien surtout. Oh, fils de pute! Ah oui, donc. tu vas te plaire là-bas, petite. Oh merde. Ah, oh, fils comme de pute! Disais, ouais, tu vas te plaire là-bas. Mike, c'est un mec bien. Cool. Il crie beaucoup, mais ne laisse pas te plomber le moral. D'accord? Sinon, il y a un type qui s'appelle Schizo. Si t'emmerdes, tu le dis à Ricky. Ou alors. Dis-le à Adi. C'est le médecin du camp. Va lui dire. C'est une chic fille, Adi. Elle a des médocs, du matos, la totale. Elle désinfectera tes plaies. Ce serait con que ça s'infecte. Elles t'aideront. T'as compris, petite? Tu peux compter sur elles. Même si tu chies dans la colle. Ok. Allez, on y est bientôt. Donc c'est un nouveau camp, là, si j'ai bien compris, hein. J'ai peur de me tromper, mais je ne me trompe pas, je pense. Je ne me trompe jamais. Elle va la porter au nouveau camp et on va pouvoir s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Ricky. Salut, Dick. Je suis surprise. Tucker fait plus dans le commerce d'esclaves. Lisa, je te présente Ricky. Elle va te conduire à l'abri. Rien n'a changé, Dick. Iron Mike te paiera pas pour ça. Me payer pour... Oh, mais te fous pas de moi. Pardon, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas venu récupérer une prime. Est-ce que tu peux l'emmener? Hein? Qu'est-ce qu'elle a, Deacon? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle a croisé des Reapers sur sa route. J'ai dû... Oh, Seigneur. Hé, hey, Lisa. Salut, je suis Ricky. Dis-moi, est-ce que t'aimes pêcher? Moi, j'adore ça. Je crois même que c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça te dit qu'on aille pêcher? Oui? Viens, tu vas découvrir Lost Lake. L'eau y est si claire que t'en croiras pas tes yeux. Et les poissons, incroyable! Le matin, ces poissons, ils peuvent sauter jusque-là. Je te montrerai. Tu verras, on va bien s'amuser. Accroche-toi bien à moi, surtout. Prête? Merci beaucoup.